Ouais, un peu difficile au début parce que, comme moi et Manu, ben, on est parti avec les Young Cats, on n'a pas su vraiment s'entraîner avec l'équipe, donc ça a été un peu difficile au début, mais après, on a fait vraiment une bonne défense, on a joué un jeu assez rapide et je pense que c'est ça qui a fait qu'on gagne le match. Vous prenez un petit peu de large en fin de première mi-temps, qu'est-ce que le coach vous a dit à la pause ? Il nous a dit de continuer à jouer vraiment rapide en attaque parce qu'elles ne peuvent pas nous suivre, mais surtout de rester concentré parce que c'est vrai, on gagnait, on a pris de large au début de première mi-temps, mais il fallait rester concentré. C'est une équipe qui peut revenir, qui joue agressif, et c'est une équipe qu'il faut faire attention, à laquelle il faut faire attention. Donc, voilà, vraiment rester concentré. Quoi. Voilà, ce fut le cas effectivement, vous êtes resté concentré. C'est intéressant aussi pour préparer des matchs comme Wargame la semaine prochaine par exemple. Oui, c'est sûr que la semaine prochaine, comme Wargame, on a vraiment un gros match. Donc un match comme celui-ci, c'est bien vraiment pour préparer la suite, pour bien refaire nos systèmes et que ça tourne bien. Et c'est vrai que c'est sûr, c'est un bon entraînement. Quoi. Voilà. Vous avez parlé des Young Cats avec Novosibirsk. Comment ça s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé au-dessus en fin de match? Novosibirsk, bah déjà le voyage, très dur. Mais sinon, le match, ce qui a fait qu'on a pu passer en fin de match, en fait, c'est que eux, Novosibirsk, ils ont 5 joueuses vraiment clés. Et c'est les 5 joueuses qui jouent presque 35 minutes. Et je veux dire, nous, on a su faire tourner le banc, tout le monde a joué. Donc à chaque fois, les filles qui venaient du banc ramenaient de l'énergie. Et je pense que c'est ce qui nous a fait passer dans les dernières minutes du match. Les autres étaient vraiment crevés. Et nous, on a su prendre les bonnes décisions au bon moment. Et vraiment, c'est ce qui nous a fait passer devant. L'expérience en Coupe d'Europe, ça fait un rythme de 2 matchs par semaine. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette expérience sur la scène européenne ? À la scène européenne, c'est génial. C'est super de jouer contre des équipes contre qui on a vraiment un gros challenge. Et je pense que ça nous fait vraiment progresser. Oui, on a eu une préparation difficile cette semaine-ci, malade et blessure, et donc ça peut chambouler la préparation. Mais de toute façon, si on ne monte pas plus d'agressivité et offensivement et défensivement, on sera toujours en dessous des 50 points et les autres au-dessus de 70, ça c'est certain. C'est ce qui manque un peu, on sent un peu effectivement de résignation dans le chef de vos joueuses. Est-ce qu'il ne faudrait pas un sentiment de révolte ? Résignation, je trouve que c'est quand même un gros mot. Je pense que par moment on a eu un sentiment de révolte, mais non, c'est plus que ça. C'est carrément prendre conscience qu'on est en D1 et qu'il faut jouer un cran au-dessus. Toutes les semaines, il faut jouer avec un cœur gros comme ça. Et oui, on n'est pas assez agressif en attaque, notamment. Hein, 47 points, c'est pas assez. On se repose sur 2-3 joueuses, et puis le reste, non. Non. Là, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il faut jouer un peu plus dur, surtout en attaque. Je retiens de positif qu'aujourd'hui, Fanny Van Den Steen a montré qu'elle revenait. C'est important pour nous, c'est de la maturité, c'est de l'expérience. Je retiens aussi que par moment, on peut aller un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Donc, on continue à progresser. Maintenant, c'est un peu lent, quoi. Donc, il faut vraiment qu'on passe à vitesse supérieure et que chaque fille à chaque poste prenne conscience qu'elle est là et qu'elle doit jouer.